Bonjour, on fait le boss aujourd'hui, c'est trop bien. Stylé. Attends, il s'appelle comment? Attendez. Parce que c'est un boss, alors peut-être qu'il... Forcément le feu. Ah, il donne 600 XP. Par contre, c'est grave comment on va devoir spammer le feu pour le défoncer. C'est horrible. Ouais, tu vas brûler, c'est un enculé de merde. Ah, on va pas maintenant. Ah bah ouais, il est en train de disparaître. Aïe. En fait, c'est que avec le feu, je pense qu'on pourra lui mettre de... Ouh. Et au moins on le touche. Aïe. Ça fait mal. En fait c'est vrai parce qu'on va vraiment spammer. Je pense qu'on va vraiment spammer le feu pour lui faire mal. Et pas le dernier coup malheureusement. Mais en fait on va vraiment devoir spammer le feu hein. C'est vrai. Mais... Si on veut lui mettre de gros dégâts, on va vraiment spammer le feu. Bonus de maîtrise obtenu. Et c'est bon, Cloud est niveau 21, c'est trop bien. Un cache-cache. Les autres n'ont pas dû le retrouver. Le pauvre, il devait se sentir seul. Hein? Mais de quoi est-ce que tu parles? Il m'a parlé. Retournons activer cette grue. Et bah justement, elle est juste ici. Ah bah non. Ouais, je vais vraiment faire des tours pour rien, je sais. Est-ce que je suis con? Vous avez déjà la réponse depuis des années. Enfin, depuis 5 ans maintenant, bordel de merde. On n'a pas le temps de s'amuser. C'est vrai, fini de rigoler. Aïe, mais connard de rat.
Oh, bah elle est mort. Ouais non, mauvais côté. On est venu du mauvais côté. Ouais. Fallait prendre. Ouais. Ah bah cool. Ça c'est sympa. Oh. Normalement tout est ouvert vu qu'on a tué le gamin. Ouais, c'est vraiment horrible, hein, dit comme ça. Merci Tifa d'avoir tenu la porte. C'est pas comme si le jeu pouvait le faire tout seul. PM, faudra vraiment les améliorer là avec Cloud. Ouais, je pense que ça va être mieux de partir de ce côté. Puis au moins la porte est ouverte. D'accord, donc ouais. Utiliser la grue, oui bah c'est fait hein. Du coup descendons. Ah casse-toi. C'est elle. Marlène. Ah non. En plus, les enfants qui sont emportés par le vent noir, ils sont perdus pour toujours dans le cimetière des trains. C'est très très dangereux là-bas. Alors il faut surtout pas s'approcher. J'essaierai. D'ailleurs, j'ai regardé sur Wikipédia il y a pas longtemps, et si je vous dis qui est Marlène, eh ben. Mais j'ai un doute, je l'avais peut-être déjà dit dans les premières vidéos. Enfin, ça date tellement que je sais plus, mais. Au cas où je l'ai pas dit, pour Marlène, la femme qui fait la voix de Marlène, c'est Aline Chetaï, c'est-à-dire la voix de Ellie et de Zelda. Rien que ça. Donc quand même, quand on y repense, dans Final Fantasy VII Remake, t'as quand même trois voix de personnes qui ont été dans des jeux PlayStation et des personnages très...
très important pour PlayStation, genre Bruno Coel qui fait Sephiroth et dans Final Fantasy VII, mais qui est connu pour être la voix française de Nathan Drake. Ouais. Frédéric Soutrel qui fait Barrett et qui est connu pour être Kratos. Et Adeline Chetaille qui fait Marlène et qui est connu pour être Ellie de The Last of Us. Après, il y a aussi plein d'autres comédiens de doublage, mais ceux que je connais de nom, ils font ça, c'est juste ceux qui font de nom et qui font les persos plus ou moins principaux. Mais tous les autres que je connais de nom, et ben, comment dire, bah, ils font juste les voix secondaires, genre les voix des PNJ de base. Ouais. Enfin non, mais vraiment, regardez sur Wikipédia. Mettez Final Fantasy VII sur Wikipédia, allez dans distribution et vous allez voir les voix françaises. C'est énorme, que ce soit française comme japonais, on s'en rend compte. Mais pour les voix françaises, c'est énorme le nombre de personnes qui ont travaillé. Même si la plupart du temps c'est juste pour des PNJ random qui servent à rien, c'est juste énorme le nombre de voix. Et je me dis que pour Cyberpunk c'est encore plus. Oui, parce que j'ai pas regardé pour Cyberpunk parce que... Bon bah voilà, le jeu est un peu connu pour être une merde actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, hein. Peut-être que, à l'heure où je tourne la vidéo, le jeu est toujours merdique, mais peut-être qu'au mois de mai ou juin, hein, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais au mois de mai ou juin, quand il y a des chances qu'avec les mises à jour, le jeu sera un petit peu mieux, hein. Prions. Enfin, surtout que là, ça fait quand même plus de 4 à 5 mois que le jeu est plus dans le PlayStation Store, ce qui est énorme et assez rare pour... un jeu, c'est pour dire à quel point il a été très grave. C'est très grave d'avoir douillé les joueurs. Allez, transcendance parce que rien à foutre. Forcément, ça lui a rien fait. Parce que la vie est une pute. C'est trop marrant. Putain, qu'elle soit Tifa. Bordel de merde, Tifa! Non, on peut pas partir ici, ok. Qu'y a-t-il ici? Pas d'argent. Merde. On ne devient pas riche. On ne sera pas riche. C'est très dommage. Restez en bas, les filles. Nous allons regarder tout ceci. Pourquoi il y a une tornade derrière nous? Les fantômes nous ont aidés. Ouais, merci, les fantômes. Putain, qu'est-ce que j'ai envie d'être un fantôme et d'être mort. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'on peut être un... si on devient un fantôme, on est mort ou pas? Ouais, donc c'est ça, la prochaine fois qu'on revient au plateau, c'est pendant bah à la fin. Eh, hey, vas-y doucement quand même. Si tu les butes maintenant, le plan tombe à l'eau. Non, au contraire. Les rats sont prêts à se sacrifier pour protéger le pilier. Le pire, c'est que c'est des figurants, c'est des persos random. Tifa. Alors en fait, c'était pas du bluff. Ouais. T'inquiète pas pour eux. Barrett et les autres savent se défendre. Plus ou moins. T'as raison. Croisons les doigts.
Bon bah ouais, allez, on va s'avancer un petit peu quand même. Ouais. Par contre, moi je pensais qu'il y avait 18 chapitres dans le jeu, mais ça se peut qu'il y en a beaucoup moins en fait. Ça se peut que il y a 15 chapitres, mais non, je sais pas. Après cette vidéo, faudrait que je regarde et si j'oublie pas, je le dirai à la prochaine vidéo. Combien il y a de chapitres en tout dans Final Fantasy VII Remake, comme ça au moins on saura quand on se rapprochera de la fin. Même si là, clairement, on est à plus de la moitié du jeu. Ça, voilà, hein, ça nous prouve. Déjà, la moitié du jeu, c'était pendant l'arène, mais là, on est, je dirais, peut-être aux trois quarts du jeu. Trois quarts ou entre presque aux trois quarts. Ah, je sais pas, c'est compliqué. Mais c'est énorme, parce que là, ce let's play, j'arriverai peut-être finalement à tourner toutes les vidéos avant que je sorte le premier épisode. Et c'est, enfin non, je sais que j'y arriverai pas, hein. Je le sais. Mais je me dis que si ça, déjà que j'ai fait plus de la moitié du jeu sans que le premier épisode soit posté, c'est déjà énorme. Par contre, le truc qui est marrant, c'est genre sur PlayStation, on peut voir les vidéos, ça nous prenne combien de gigas sur la console. Alors, avant cette vidéo là, de ce que je m'en souviens, j'étais à une trentaine de gigas. Là, je pense que, sachant que j'ai pas supprimé les premières vidéos, hein, je les ai pas supprimées, même si je peux, vu que les premières vidéos sont uploadées, hein, vu que tout est uploadé, je peux les supprimer. Mais le truc, c'est que non, je les ai pas fait. Parce que justement, je sais pas, j'ai envie de montrer quand je terminerai le let's play. En tout, ça reviendra à combien de gigas, parce que c'est marrant. Ouais, du coup, si vous voulez savoir ça, venez sur le serveur Discord, ça serait très intéressant pour vous de savoir. Plusieurs vidéos de 30 minutes, ça revient à combien de gigas? Putain, c'est horrible. Ouah, crame en cul là. Putain, il dire que dans Smash Bros, il sait pas faire ça, Cloud. Lui, il est de glace. Analysé parce qu'on ne l'a jamais vu, même si on sait que... Ah non, c'est même pas la glace sa faiblesse. C'est même pas le feu sa faiblesse, c'est étonnant pour un personnage de glace. Putain de logique de merde. J'ai pas de soutenir elle-même. Est-ce que j'ai fait de la merde? Totalement. D'accord, ici. Bah merci, bonne enfoirée. Non, ça on l'a déjà fait. Oui, on était venu là. Pour... Voilà, je m'étais perdu. Ouais, je me perds très rapidement dans des jeux comme ça. Ce qui est très con de temps en temps. Je peux me perdre à des endroits, mais... Genre des trucs, même un gamin ne se perdrait pas. C'est pour dire à quel point je crois que j'ai un problème mental ou une connerie du genre, parce que c'est grave. D'être paumé à ce point dans des jeux de temps en temps, c'est inquiétant, je trouve. Hein. Que ce soit d'autres youtubeurs, streamers comme moi, hein, c'est inquiétant. Je m'inquiète pour moi-même, alors que de base, je m'en bats les couilles de moi. Du coup, je suis narcissique ou non? Ouf. Beaucoup trop de questions que je me pose et personne pour les répondre. Ça fait chier. Quoique éventuellement vous pourrez répondre dans la dans les commentaires. Pourquoi j'allais dire la description, bordel de merde? Je suis vraiment un attardé. Oui, je sais ce que vous pensez. C'est con. Mais au moins, on est revenu à 100%, et ça c'est cool. Car s'il y a des ennemis, bah on peut les défoncer, et... Merde. Cinématique. C'est par là. Allons-y. Il y aura un boss, c'est ouais. Sûr. Bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Cloud, Iris.
Ouais bah putain, je pensais qu'Iris devait se faire tuer par Sephiroth. C'est vraiment ballot, elle est déjà morte. C'est faux, MDR. Ils sont perdus pour toujours dans le cimetière des trains. Aïe aïe aïe. Dommage qu'on est dans un jeu vidéo et qu'on va réussir à retrouver Iris, hein. Protégé de qui? Là c'est pas une protection, là c'est pour nous tuer littéralement. Enfin pour tuer Eric surtout. Alors c'est toi qui contrôle ces enfants. Putain mais il y a des bruits bizarres dans ma chambre alors que je suis tout seul, bordel de merde. Je vous jure, ça fait peur. Et heureusement que je joue pas à des jeux d'horreur parce que avec des bruits comme ça, je me chie dessus. Hein. Je pense que c'est dans le jeu, alors que non, c'est dans ma putain de chambre. C'est bon, je peux y aller. Ouais, ça y est, tu peux venir. Ah, ça fait mal au cœur. Ouais, aïe. Bon. Je t'ai trouvé. T'as fait vite. Bah t'étais pas caché, MDR. Je t'ai trouvé. Elle était trop bien cachée. Je suis prête. Ils sont rentrés chez eux. Tu peux venir. Viens me chercher. Ah. Maman. Iris. Ah putain, ça fait mal au cœur. Putain mais Mel elle a eu ça. Ah. Putain au moins que je suis intro. Oh je suis content d'être introverti, de pas avoir d'amis. Enfin non, ne pas avoir d'amis ça me fait chier, mais je suis content d'être introverti quand même. Hein. Parce que je sais que ça me serait arrivé, j'aurais chialé ma race. Et après il y aurait des vieux monsieur qui m'auront fait mal aux fesses. Et je sais pas pourquoi c'est très bizarre qu'ils ont fait ça parce que... beaucoup trop d'imagination, je sais. C'est très grave. Ah, je serais pire. Si vous imaginez des trucs, ça serait pire qu'un jeu japonais. Et putain, on sait que la plupart des jeux sont graves. Enfin, la plupart. Iris, donne-moi ça s'il te plaît. Mais c'est de la merde. Bon, oui, c'est lentement ça. Ah, cool, l'invocation. Chakra, restaurant. Oui, je sais, on fait un boss alors qu'on aurait pu faire la prochaine vidéo, mais... Oh, ça va, hein. Ah, quoi que... Ouais, non, tant pis, la vidéo durera beaucoup plus longtemps. Peut-être 35 minutes, qui sait. Ça dépendra si on a une énorme cinématique. Tout simplement, ça dépendra de la cinématique qu'on aura. The one, n'est-ce pas.
renvoyer. Faut dissiper sa barrière. Enflamme-toi ! Aïe. Bon allez, les trucs, ça sert à quelque chose, bordel de merde. Il faut que je tire le coup. Bon, c'est bien, au moins on m'a soigné. Bon, au moins il se prend un peu de dégâts. Hein. On va cracher dessus. Ouais, ok. Adieu, Fruit. Ouais. Bon, au moins il va faire son attaque ultime avant. Et ça, c'est cool. Ça va, mon premier effet en transcendance. J'espère que ça sera pas comme ça pendant la partie 2. Hein. Ouais, et puis merde, méga potion, parce que là on a plus de vie. Ouais, je sais. Ah! Ah ok. Ouais, j'ai oublié de m'énerver. Attendez, objet. Prends ça. Aïe. Je vais te terminer. Aïe. Mon roue gauche. Ah. Finissons-en. Oh putain.
faire le timing, comme on a bien réussi. Ok, on est à 31 minutes de vidéo, je pense que je vais couper la vidéo sur ça, sinon ça va être très long avec la cinématique qui arrivera sûrement après le boss. Du coup, on s'arrête là, ouais, oh, la milieu du boss, je sais, c'est très nul. Mais ouais, du coup, bah, on s'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner sur ce stream, quoi. Et puis, à bientôt pour la suite du boss. Salut tout le monde.